Conseil présidentiel transition, ils ont convoqué pour une autre fois encore Premier ministre Garry Conille. Fois ça, ce n'est pas bataille politique. Fois ça, c'est sécurité nationale là, qui en grand danger, c'est sécurité nationale là, qui sous table discussion. Yo. Qui ça, Premier ministre Garry Conille, fait encore pour lever plume sous le Conseil présidentiel transition? Compatriotes haïtiens, frères et sœurs, nous gagnons, matin, bonheur là, nous gagnons, un document qui arrive à nous, qui c'est une invitation, Conseil présidentiel transition, et secrétariat palais national fait, pour envoyer ben, la primature, pour inviter Garry Conille, venir répondre à une question, de qui prévient, de qui manigance, comment ça se fait, pour le rentrer dans le pays d'Haïti avec un groupe mercenaire. Mercenaire, ça yo, yo ta fait qu'on est des mercenaires américains. Nous prenons tout détail sous information qui arrive à nous sous groupe Silla qui porte nom Studebaker. Kozé yon en pile et déjà Premier ministre Garry Conille a gagné une sommation pour vendredi 1er novembre. M'pa caché di nous, bagay yo compliqué. Yon lot bon, nous gagnons la primature qui mette koyo de yo. Et qui Premier ministre Garry Conille, yon décide de fond tête yo par rapport à ça yon dit Conseil présidentiel transition à manigance pour mettre Garry Conille dans le camp loin. M'pa kache di ou, gagnons secrétaire général primature, gagnons chef cabinet Premier ministre, là, yo décidé pour yo faire tout ça yo connaît pour yo protéger Garry Conille ak équipe li nan gouvernement pour Garry Conille toujours être nan poste li. Mais c'est pas même bagay là que Conseil présidentiel transition yo même yo wè. Nous pral ba ou détail, nous gen son, nous gen image, nous pral partager ensemble avec. Nous gen ancien sénateur Edo Zeni. Edo Zeni sans filtre li lagé nan bon ti mamite ki sa ka passé nan conseil présidentiel transition ak équipe Garry Conille nan moment de dans pays yo côté que André Michel yon nom dok André Michel comment fait peuple haïtien continuer accepter André Michel gen pouvoir pour se li ka prend gros décision politique m pa caché di nou Edo Zeni il mette causé de yo André Michel li pat pran temps pour réagir parce que li estime Edo Zeni tapel trop fort. Nou pral ba ou détail, nou pote son, nou pote image pou ou. Deja m'ap invite ou même ki fèk tombe sou channel lan. Pa ezite abonne, aktive ti kloche notification, kon sa ou ap rete konekte avec nous. Ou pa prate aucun nan vidéo de formation n'ap genyen pou nan poste yo. N'ap commencé émission avec une information extrêmement importante. Lundi qui s'est passé, nous gagnons Nations Unies qui publiait un rapport. Rapport si là nous ca considérer comme un aveu d'échec. Nous ca considérer comme un rapport d'impuissance. Nous ca considérer tout comme une mise en demeure. Nous ca considérer tout rapport ça comme yon piste que expert Nations Unies yo a bail sous ça qui gen pouwe avec nèg exam nan pays ya. Les gangs s'adaptent face à la force multinationale selon l'ONU. Gang yo yo adapté yo avec présence force multinationale là et non sans ça nèg exam yo yo fait tout ça yo konnen pour yon défendre tête yon par rapport avec force multinationale, par rapport avec policiers kenyan yon qui nan pays. Bien rapide, m'pral ba nou quelques détails importants, des éléments importants souligner dans le rapport Nations Unies, puisque expert Nations Unies yon, yon allé loin. Yon assimilé toute violence gang, toute activité criminelle bandi yon a fait là, yon assimilé l. Yo bal pour objectif des intérêts politiques. OK? C'est comme si nèg exam yo y a travail pour un groupe politique et automatiquement yo dit
gen an pile question ka commencé poser tête. On nous regarde qui ça qui dit dans rapport si là. Tranché, drone, stock d'armes, bouclier humain, zone de repli, les puissants gangs haïtiens ont adapté leur tactique face au déploiement progressif de la mission multinationale de soutien à la police, s'inquiète un rapport de l'ONU publié lundi. OK. Haïti a connu dans moment là une vague violence sans précédent. Entre janvier et juin 2024, gen pou pipiti 3600 moun qui perdu la vie, plus passé 1104 kidnapping yo recensé. C'est ça qui baille comme élément principal dans rapport expert Nations Unies. Yo continue pour yo bailler des détails sous estimation, sous statistique par rapport à quantité et territoire qui nommé bandi. Si année dernière dans rapport expert Nations Unies ont publié, yo te fait qu'on était gain 80% et zone métropolitaine qui nommé bandi, eh bien le sorti de 80 li passé à 85%. Selon les estimations, 85% de la zone métropolitaine de Port-au-Prince est actuellement sous l'influence ou le contrôle des gangs. Pour protéger leur territoire, nèg ak zam yo bandi yo yo fouillé des tranchées, ça nous relé trou yo. Yo metté barricades, yo utilisé des éclaireurs et des drones. Moun yo relé éclaireurs yo, c'est moun sa yo nous même nous relé antenne. Tout est bandi yo. Et des fois, yon utilise drone, yon mette bonbon gaz, yon prepare cocktail molotov, yon stocke zam ak munition en quantité, yon filme yon des fois pour yon intimider la police. C'est parti ça qui est beaucoup plus important dans tout rapport expert Nations Unies yon rédigé. Yon fait qu'on est décidé à faire dérailler la transition politique et yo prend sang yo souligné yo mettel en gras yo mettel entre guillemets décidé à faire dérailler la transition politique. Ça veut dire toute activité gang yo, bataille gang yo, violence gang yo a fait, c'est parce que yo voulait faire dérailler transition politique là, yo voulait craser boycotter transition politique là. Donc ou même qu'attendez ou même qui a suivre automatiquement expert Nations Unies dit c'est parce que nèg yo voulait faire dérailler transition politique là, poser tête aux questions à quel fin, c'est qui intérêt yo gagné, est-ce que journée jodi en bandi yo gagne un intérêt politique, est-ce que bandi yo a travaillé pour des clans politiques, c'est autant de questions que expert Nations Unies yo quitté un couloir, yo quitté un trou vide pour moun rivé questionner tête yo. Yo continue pour yo bay des détails. Depuis le début de l'année, OK? Et depuis le début de l'année, de nombreux gangs utilisent également la population comme bouclier humain. Yo utilisent la population comme bouclier humain yo pour arriver à augmenter risque perte civile en prévision de la police à venir faire opération, etc., etc. Et yo fait connait que bandi yo a fait recrutement dans moment là. Yo rive atteindre 5500 moun et UNICEF bay yon estimation statistiquement parlant nan 5500 moun sa yo 50% la yo c'est ti moun et depuis ces ti moun yo a parlé de moun ki poko même yon 18 ans que ti fi que ti garçon mais majorité et moun bandi yo utilisé c'est plus ti garçon yo utilisé yo mette nan gang yo faire enfant soldat. Yo allé plus loin pour yo faire connait que malgré gen durcissement embargo sous zam avec munition dans Conseil de sécurité Nations Unies, eh bien trafic zam ak bal yo pas faibli. Bagay yo augmenté pi plus, notamment zam gros calibre yo. Donc Nations Unies font mise en garde par rapport avec nécessité qui gagne pour gouvernement actuel là pour yo prendre toute disposition pour yo contrôler zam ak bal kap rentré en dedans pays ya. Et pour yo conclure, expert Nations Unies yo fait comprendre que alliance gang vivre ensemble nan li existait et le plus fort toujours. Depuis en février, des séries de groupes armés qui étaient rivales, GPEP, G9, et bien journée jodi an,
Depuis en février, yo fait une alliance. Yo vinn rele tèt yo vivre ensemble pour yo te chasser Ariel. Et même alliance vivre ensemble ça journée jodi an là qui continue à terroriser population hein, mais pour Nations Unies yo bali yon porté et politique. Cependant, et Nations Unies on bo binu on bo. Pendant un rapport Nations Unies, nous on rapport d'échec parce que force multinationale yo di yo te vini pou yo vini aider pou yo te vini ba an coûte mais pou yo te vini régulariser sa gen la comme insécurité changer donné yo mais yo wè bandi yo accordé yo accommodé yo avec présence force multinationale. Et bien Binu lui-même qui sa Maria Isabel Salvador dit le Binu a recensé 1223 morts et 522 blessés en Haïti de juillet à septembre dans le cadre de la violence des gangs armés ainsi que 170 kidnappings contre paiement de rançon. Le BINU demande à l'international d'accélérer le déploiement complet de la mission multinationale. Bon, moi-même, ouais, mon BINU, c'est des séries de mon tête pas droite. Par contre, si c'est sous yo sous, si c'est bouteille actuelle ou bouillot, mais nous, Nations Unies, pas qu'à bailler un rapport. Côté que dans le rapport, on montre que la présence force multinationale n'a pas changé. Et puis, bon, on va regarder, Binu a demandé faire déploiement, quelque part, on va y marcher. Soit Maria Isabel Salvador, chef Binu, et le dit à Isaïe, soit elle pas fin sobre, vous comprenez? Par contre, ça le boit, bien ça le prend. Mais nous, ouais, véritablement, tête mounio, pas fin clair dans le dossier et sécurité dans le dossier Haïti. Entre temps, faut moins dire nous, gain gros disposition qu'a prend qui concernait et la primature à Conseil présidentiel transition. C'est de temps en temps et chaque semaine, yo convoqué et DG la police, au commandement, au état-major l'armée, yo a fait réunion sur sécurité, etc., etc. Mais gros bagay qui est extrêmement important, je dis hein, et nous pral parler sous li là et ces questions. Et mercenaires américains. On nous garde ensemble avec moi postila que clin d'œil info fait. Studebaker, un groupe de mercenaires américains sur le sol haïtien depuis plus de deux semaines. Selon notre source, ces mercenaires seraient embauchés par le premier ministre Gary Conille sans l'aval et l'approbation des membres du Conseil présidentiel de transition. Le secrétariat général de la présidence a déjà écrit au secrétariat général de la primature pour demander au chef du gouvernement de venir donner ce mercredi 30 octobre à 2h PM à la villa d'accueil de plus amples informations et explications sur ce sujet. Juste un clin d'œil. Bon, là, on nous gardait et communiquer ça ou bien invitation ça, bal non vle. Que la présidence a cheminé by la primature pour yo kal tande Gary Conille. Qui ça qui dit non let's see là. Bon. Port-au-Prince le 29 octobre 2024. Monsieur Camille Junior Edouard, secrétaire général de la primature en ses bureaux. Monsieur le secrétaire général, pour donner suite à une instruction du Conseil présidentiel de transition CPT, le secrétariat général de la présidence vous prie de bien vouloir transmettre au Premier ministre, M. Gary Conille, une invitation à une séance de travail le mercredi 30 octobre 2024 à la Villa d'accueil à 2h PM. Jusque-là, ça va. L'objet de cette rencontre urgente portera sur l'éventuelle présence d'une compagnie privée qui intervient dans les questions de sécurité publique. Le CPT apprécierait la communication de toutes les correspondances et protocoles d'accord y afférents. Le secrétariat général de la présidence saisit l'occasion pour vous renouveler, monsieur le secrétaire général, l'assurance de sa haute considération. Bon, là, m'pas caché, dis-nous, moi-même, j'ai plusieurs considérations importantes nous pral faire. Première considération, parce que là, on a parlé de sécurité nationale, on a parlé de sécurité publique, on a parlé d'un groupe mercenaire, ou bien on a parlé d'un groupe sécurité et cap sorti dans leur pays, etc. J'ai plusieurs considérations nous ka faire. Première bagaille, ok?
gen invitation ça qui rivé à jeune gars iconi. Moi même non situation non pareille situation comme ça. Premier réflexe, qui s'est passé dans tête gars iconi? Si toutefois conseil présidentiel joine information ça yo quelque part au cas dit tout, gagner des démarches qui initié, des bagages qui fait ou bien mercenaire yo là. Donc si mercenaire yo, si groupe de sécurité privée ça ta sous sol là, qui ça yo vinn faire? Est-ce que c'est moun qui vini pour bay gari koni sécurité lui-même? Parce que pas oublier non jour qui t'est passé yo. T'es gen information qui t'a circulé côté que la primature t'est sorti et note pour dire la vie premier ministre menacé ministre justice t'est sorti note et que gagné des hommes politiques qui mêlé à gang pour touyer PM. Non, pas oublier. Est-ce que groupe mercenaires a yo vini pour vinn protéger Gary Koni? C'est groupe sécurité privé garde rapproché li pralier ou bien groupe mercenaires ça t'a vini et pour l'autre bagaille qui gen pour avec sécurité nationale qui pi grave toujours côté que gen moun qui dit qui fait des approches, est-ce que c'est moun yo t'a vini avec yo pour vinn combattre gang etc etc? Dans les deux cas que yo t'a vini pour sécurité personnelle PM non, que yo t'a vini pour l'autre bagaille Gary Koni, étant donné ou pas pour quoi ou pas diriger exécutif là pour quoi ou gè des décisions qui après qui concerne sécurité nationale là qui concerne pays ou supposé partager données avec CPTA. Bon là encore qu'a posé tête une autre question. Est-ce que on confiance entre CPTA avec Gary Koni? Et c'est là toute bagaille là le bras joué. Entre Gary Koni, entre primature avec CPT, pas gain aucune confiance. C'est méfiance net. C'est méfiance parce que on pareille décision que mercenaire yo ta là, que yo ta gain pour yo rimi, que yo pat lavre etc. Quoi que ce soit Gary Koni ta prend comme décision ou bien contrat que t'a passé avec un groupe de sécurité extérieure, eh bien ça prouve à clair que Gary Koni, en termes de sécurité, ça pouvait accléter gon menace réelle qui plane sous lui et que lui pas fait confiance à force de sécurité nationale qui nan dol la, l'a cherché protéger tête li. Étant donné que la présidence CPT a yo gen et comme mission, comme engagement pour yo veye à bonne marche institution yo, si Gary Koni ta pas son contrat avec un groupe de sécurité et indépendant, un groupe mercenaire yo rele la, et ça fait n'a regarder dans invitation non seulement objet assez pour venir discuter sous vie ni compagnie privée sécurité dans pays yo yo mandé le CPT apprécierait la communication de toutes les correspondances et protocoles d'accord y afférent. Ça veut dire te mettre son petit bout de papier qui t'a signé CPT a besoin gagner le nom. Et si pas ta gen yon accord côté cour des comptes bay aval li bay approbation pour contrat signé, eh bien n'importe sale taille a faut Gary Koni ka vinn bay des détails sous compagnie privée sécurité ça qui en dedans pays ya. Donc premier bagay, gen méfiance. Deuxième bagay, exécutif la yo pas accord de violon yo. Troisième bagay, Gary Koni senti véritablement qu'on menace sous la ville. Non, c'est ça, compatriotes haïtiens frères, comme bataille lancé CPT, Conseil présidentiel et transition avec la primature, nous gagnons chef cabinet, premier ministre, Nesmi Maniga, et bien qu'il lui-même, lui baille des détails, sous bras de fer ça, sous tac au tac ça, qui gagne entre CPT avec primature, et tout profiter et mettre lumière sous plan CPT a gagné pour prendre contrôle primature la net, tout ministère, direction générale et la tri. On va attendre ensemble qui ça détail, qui ça explication, Nesmi Maniga yoye. On a dit. C'est pas que nous dramatisons la situation. Situation relation entre exécutif là avec le gouvernement. Non, mais yo devant genou. Nous parler avec des proches premiers ministres, nous parler avec des membres CPTA qui expliquaient nous conflits qui gagnent entre deux groupes. C'est depuis juillet, oui, avec le voyage premier ministre dans Washington, et où nous avons un gros problème entre primature avec CPT. Et ça va accentuer avec 79e Assemblée générale des Nations Unies.
côté que pour vous voir c'est peut-être estimé que il y a humilié, il y a boycotté et nous dit ouais ça qui passé avec Leslie Voltaire et dans réunion qui t'a fait avec le président brésilien et premier ministre, il a empêché lui interdit l'accès pour d'entrer dans rencontre malgré il pas invité et d'annoncer annoncé que tête qui pas couper depuis là ça. Nous voyons que relation est très tendue entre Prémature et CPT. Ça nous est pas salié, M. Maniga? Moi, pas répondre à une question, ça, mais c'est dommage, José, hein, que le focus n'a pas été sur sécurité, hein, parce que je garantis que tout le temps, Premier ministre avec le gouvernement, c'est sous chantier ça, chantier sécurité, ça nous est pour nous faire pour conférence pilotage de la marché, pour élection faite, c'est ça qui intéresse la population. Hein. Si je ça, en même temps, on n'est pas capable d'avancer sur le vrai chantier qu'on a évoqué là. Lorsque même la communauté internationale reconnaît ça, nous mettons de côté l'intérêt collectif là et nous priorisons l'intérêt personnel. On n'est pas capable d'avancer lorsque, entre deux pouvoirs, il y a une instabilité entre deux pouvoirs, professeur Maniga. On comprend ça très bien. Mais justement, c'est la question ça que m'a répondu. Moi, je trouve que c'est dommage que ces questions ça que m'oblige de répondre matin, mais en particulier parce que, un, m'a dit mon côté dramatisé. Deux, sous ça qui est évident, et on parle très clair, on se dit peut-être pas le tomber, donc ça veut dire remaniement en particulier, ou quoi que pour le ministre, il répond clairement déjà. Et on nous fait deux points fondamentaux. Premier point qui est fondamental, là, je me suis rappelé déjà, je me dit que le gouvernement, s'il n'a fait bilan, 4 mois, le ministre exécuté 2 mois. Exercice financier sur 4 mois. Donc, l'autre premier aspect, ça, quel que soit le cas de figure, on garde qui rapport et qui bilan capable de faire, je veux dire, dans la condition ça, pour dire qu'on ministre, l'hyperformant ou l'hyperperformant en 2 mois d'exercice, d'action d'exercice financier, sur les 2 mois. Ceci dit, ce n'est pas moi-même comme chef cabinet qui a pris une décision. Décision, ça a appartenu chacun en ce qui les concerne au Conseil des ministres. On va parler de, en particulier, CPTR, Conseil présidentiel, avec Premier ministre, c'est une prérogative pour signer arrêté ou remplacer ministre. Ce n'est pas moi-même qui a fait opinion pas sur ça. Mais sur les faits, les ministres ont exécuté 2 mois d'exercice et c'est périmètre action de ça. Personnellement, je ne recevoir notre Premier ministre aucun rapport qui évaluait de manière claire, avec nombre pour évaluer, y compris à chaque mécanisme que OCAG la prévoit, qui c'est eux-mêmes qui l'a capable de superviser l'action exécutive et faire des recommandations. Il n'a pas aucune documentation, rapport sous exécution, feuille de route au ministre. Et même dans le contexte, il y a un Parlement, côté Premier ministre, il y a une déclaration de politique générale, côté Parlement, après 6 mois, capable d'inviter au ministre Vintandel. S'il n'est pas satisfait, convoquer le ministre. S'il n'est pas satisfait, interpeller avec un motif d'interpellation qui est basé sur un texte, sous qui vient au ministre en dehors de l'exécution feuille de route. Nous ne pouvons pas parler de ça du tout. Nous avons un contexte matière politique. Et la matière politique, là, pour le ministre, ça a une semaine que lui écrit CPTA. Il dit très clairement, je vais reprendre ça qui était dit dans le texte. Là. Si d'aventure, je veux dire, CPTA font l'autre estimation, ils changent l'idée. Sur le fait que le ministère qui doublait, qui fusionnait, ce n'est pas comme bon l'idée. Disposer pour discuter de ça. Donc, on pense que ça clair dans l'interprétation du gouvernement, ça clair dans l'interprétation du premier ministre, pour manier son bagage normal, son bagage naturel pour capable mettre un gouvernement à flot. C'est nos systèmes d'équilibre, c'est entropie, qui permet comme mécanisme pour permettre au gouvernement de faire toute négociation possible. Pour que nous avancions sur le chantier qui est plus important, hein, et que nous nous a dit ça très clairement. Sauf que ce n'est pas ça, CPT a appelé, non, comme remaniement. C'est moi-même qui peux interpréter, je ne parle ni titre ni qualité, je pense que le ministre. Non, je ne peux pas interpréter, bonne information sur le parcours. CPTA a besoin de changer, et ministère qui double, par exemple, après le ministère intérieur qui est premier ministre en tête, il a besoin de mettre un ministre pour continuer dans un ministère intérieur collectivité territoriale. Planification qui est ministre économique, là, ni besoin de mettre un ministre pour continuer la planification. Affaires étrangères qui a géré tout Mavé, il a besoin de changer et affaires étrangères et mettre un ministre dans Mavé. Il a besoin de tout mettre un ministre dans justice et sécurité publique.
il besoin mettre tout qui pas doublé, il besoin mettre tout, il besoin changer tout ministre à défense là. C'est ça même CPTA et dit nous. C'est pas seulement changer ministère qui doublé, mais c'est faire un remaniement sur au moins 7 ministères. Est-ce que pour le ministre d'accord avec projection de remaniement ça? Je pense que pour le ministre, dans la réunion hebdomadaire que le gagne avec CPO, bon, finalement, soit dit là, m'a décrit très bien. Donc, sous 18 ministères là, donc ça veut dire que 18 ministres, c'est pas pour le ministre qui a gagné et possibilité pour que les choisis. Un ministre, tous 18 ministres, c'est ça va prendre le là, c'est pour aller totalement conseil présidentiel. On va pas opiner sur ça, mais juste noter ça au dire. Donc 18 ministres. C'est ça, au dire tout. On va pas opiner sur lui. Mais m'a fait exercice mathématique, ça au dire, non, parce que je dis 10 sous 14 déjà dans la colonne CPA, c'est ce que tu choisis pour proposer. En même temps, on dit tout. Toute direction générale, 10 ministères, ça y est, c'est le conseil présidentiel qui propose. Donc, pour le ministre, tu es favorable à l'idée ça. Favorable que 10 ministres sous 14, c'est le conseil présidentiel là. C'est 4 ça qui est dans le périmètre, ça que tu es co-choisi avec eux, c'est pour eux, plus l'autre ministère qui double eux. Je constate que je n'en sors dit non, puisque bonne information. 18 oui. Sous 18, c'est pas le camp CPA. Moi, je pense que je dis. Oui, mais si c'est ça, si c'est là, nous vivons, pour le ministre, a constaté ça, et c'est pour ça qu'on commence un dialogue avec différents secteurs, parce que le Premier ministre là, sous base d'un accord politique, et à ce moment-là, si 18 yo, que les secteurs d'accord pour 18 ministères à la colonne conseil présidentiel, le Premier ministre a tiré les conclusions, les mêmes libres viennent redire, nous, personnellement, ça le pensait de ça. Nous juste fait constat. Je dis, ça nous capable de dire, c'est que le Premier ministre, il voulait dans l'étiquette de transigence. 10 ou 14, pas qu'à intransigeance. Ils ont fait le ballon étiquette, l'abgoumé, pour que l'IKMB ait tout pouvoir. 10 directeurs généraux qui dans le ministère, c'est le secteur qui choisit, ça fait déjà. Ils ont fait le ballon étiquette de transigeance parce que le ministère intérieur n'a pas marché. Qui joue le ministère intérieur marché, puis bien, s'il n'a pas lui-même des possibilités, remplacer mairie côté mairie au paillet, changer magistrat qui déjà quitté le pays, parce que tout ça, c'est co-signature à la fois conseil présidentiel là. Avec le Premier ministre, en plus, on a dit gouvernement bloqué, même ministre, même magistrat, il n'y a pas de travail, il y a un côté magistrat, il n'y a pas de travail, il y a un côté, même pas là. Mais le Premier ministre n'a pas qu'à changer le cartel sans signature CPA. Le Premier ministre a gagné un mois, il a fait une proposition de méthodologie sur qui j'en aurais pu changer. Mérite, mérite changer, renforcer ça, mérite changer. N'attendre que le suivi que fait pour ça avec urgence. Même bagarre pour la direction générale, le Premier ministre a écrit 2 ou 3 courriers à conseiller, il dit, en plus de toute direction générale qui déjà changé dans le ministère, on a le plus vite sous direction générale ministère autonome. Pour ça même faire proposition, c'est un attendre pour que nous changions rapidement direction générale, parce que lenteur qu'on a constaté dans l'administration, problème qu'on a dans plusieurs directions générales, nous, qui en grève, qui en difficulté, eh bien, c'est pas nous bloquer en particulier. Est-ce que ça, tu vas dire, là, professeur Maniga, et que manque d'efficacité qui gagne dans l'administration publique là, c'est PTA qui empêche le gouvernement d'agir. Ça m'a dit clairement, manque d'efficacité et lourdeur là, et difficulté pour atterrir, gagné pour être tout avec le fait que le ministre intérieur n'est pas capable de faire modification dans la collectivité, parce que côté un premier ministre, à travers le ministre intérieur, côté population, c'est à travers les élus locaux ou bien autorités locales. Son commune pas un magistrat, son commune pas un quantité de membres pour le gain, son commune pas un magistrat qui est capable de signer sur commune, il y en a battu avec l'autre, il va le signer. Ou mettre un corps pour lui, il va le décaisser. Eh bien, c'est pour ça qu'on a un paralysé dans le ministère intérieur, parce qu'on ne peut pas changer, on ne peut pas changer la collectivité. Il y a une proposition qui fait déjà. Oui, il me dit ça. Si il y a certaines directions générales, côté gain grève, côté gain difficulté, côté mouille à plein, côté pas un service, nous voulons moderniser, renforcer, il y a difficulté, lenteur pour que nous mettions en place direction générale, ça y est, justement, qu'on pourrait en partie. Ça m'a dit, hein, je ne vais pas jeter blâme sur personne d'autre monde. Vrai sujet qui intéresse la population, c'est sécurité, c'est bas résultat. Oui, pour le ministre, aller plus vite,
Si le ministère intérieur a plus d'outils dans le même qui c'est collectivité territoriale, si il y a une direction générale qui a déjà gagné l'autre leadership, nous avons le pivi. Voilà. Là, nous sommes attendus Nesmi Maniga, qui c'est chef cabinet premier ministre, qui a bâillé des détails sous bras de fer qui existait bataille qui gagne entre CPT et primature. Donc, tout blocage qui vient là, résultat nous pas qu'à joindre là, manque de coordination qui vient là, eh bien, pour la primature, c'est CPTA qui est responsable. Pour CPTA, c'est la primature qui est responsable. Qui côté pays a et qui côté peuple haïtien et dans tout bagaille ça, eh bien, tous deux parties, tous deux camps, yo dit qui mêle yo ak peuple. Donc, il est clair que, conflit ça, c'est pas un conflit qu'à résoudre, ni jodi, ni demain, ni après-demain. Et gen plus risque. Gen plus risque, oui, pour Gary Conille, pour yon mette le dehors que Gary Conille rete. Ah oui, parce que même l'autre attend de Gary Conille, c'est Washington qui mène Gary Conille, etc. Mais là, l'op gade réalité a. Ok? L'op gade réalité a. Gary Conille, comme un premier ministre, li sou CPTA sous tête li, CPTA coiffé li. Donc, n'importe ça après comme décision, faut parler avec CPTA. Si on a une décision qui doit prendre de manière commune, eh bien, il faut que je te parle qui fait. C'est comme si Gary Conille a fait gros point dans Bopal, CPT a fait gros point dans Bopal, il n'y a pas entendu pour résoudre le problème pays, pour rétablir la sécurité. Donc, c'est moun, c'est population, c'est nous-mêmes, c'est malheureux qui a payé pour casser ça. Donc, les gens, ils s'en foutent pas mal, ils ont full sécurité, beaucoup n'y a pas tellement belle, et ces mercenaires reprennent ces groupes de sécurité indépendants. Que compagnie privée de sécurité oui international c'est eux même qui viennent dans le pays ya. Donc m'pa cacher dit nous bagay sa yo frustrant et réellement n'avancé nous gagné Edozeni nous gagné ancien sénateur Edozeni et qui parlait Edozeni li poser problème et qui gagné journée aujourd'hui là avec équipe qui sous pouvoir avec conseil présidentiel transition et particulièrement par rapport avec Jean yo a géré question et gouvernement de série de décisions qui t'a supposé prendre et nèg yo a fait affaire pa yo nan bon pa yo et qui est véritablement qui paye pour casser à qui est journée aujourd'hui qui a fait face avec situation difficile là c'est population donc non sans ça et nos ennemis li pral faire le point sous divers et bagay qui extrêmement important pour société hein le nom prend exemple André Michel et qui lui même genre André Michel t'a traité Jovenel pas capable yo puis capable et journée jodi hein c'est société yo même qui gain pouvoir nan men yo mais yo pas jamais en mesure pour yo changer situation que nan vive journée jodi hein et matin et nos ennemis on pas cacher dit nous li casser maintenant mais et classe politique là nan men acteur yo ki gen pouvoir nan men yo et pourquoi pas nèg André Michel yo qui te dit Jovenel pas capable yo même yo pi capable depuis Jovenel allé sécurité stabilité la vie pral reprendre en Haïti et tout de suite après Edozeni li fin intervenu André Michel li même li t'a pral réagi André Michel li fait le point OK André Michel fait connait c'est pas pays lock qui crase Haïti. Nous prenons le saisir de qui ça le va comme détail. Mais on nous tende comment Edozeni lui-même li tap corrige. Ti vagabond politique sa yo journée jodi an, qui prend pays en otage. Nous allons tende ancien sénateur Edozeni. Moi, sous ma tête, nous avons dit, sous privé, la même chose. Pas yon vin dégénéré avec André Michel qui commence à bloquer tout pays, la boule, la crase. La propose go leader et puis je dis à la guerre, même ni pas qu'à sortir. M'de dit la 2019, m'de font tweet, ou n'y a qui X, m'de font tweet, m'di, non, je n'a dirigé PIA, nous tout a perdu. Tout a là toujours sous page, moi. Et je dis à nous tout perdu, oui. Parce que m'di dit, j'ai rendu Michel pas qu'à sortir, mal de fivin la belle là. Mal de fivin la caille de la montagne là, facile. La passe par l'air, la vina, la courir de la machine, il monte la montagne, peut-être la montagne, il casse avec moun que vous congérez. Après ça, il n'y a pas qu'à l'en côté encore. Il n'y a pas qu'à même tout, il n'y a même pas de mon Dieu, pardon. Ainsi de suite. Il y a des amis, pas moun, pas moun, collègues, mais de same thing. Et qui est l'autre là? Il y a eu l'autre là, il y a eu l'autre là, il y a eu l'autre là, il y a Steven Benoit, same thing. Tout le monde qui t'a crasé, qui t'a dit Jovenel, c'est sûr, tout y est Jovenel, il a fait tout ça. Je dis à une bagarre, des milliers de personnes. Il te prend la rue, t'as pris le si Jovenel va là, yo.
si je ne pas aller dans Mouyo, trois calbandis qui t'ont tué, chaque couille Chili, chaque passant barrage, tout le monde paye les conséquences. C'est ce qu'on appelle Haïti à diriger depuis après Duvalier. Ça fait même dit vivre Duvalier. Après, mon dit comment c'est un Duvalier responsable. Non, je fais l'histoire. L'histoire, ça se raconte. L'histoire, c'est pas comme si parce que m'a raconté l'histoire, et puis je dis c'est Duvalier. Non, c'est pas une question de Duvalier. Le Duvalier, il m'a 17 ans. Je ne suis pas Duvalier, mais même comme politicien, m'a dit que Duvalier a fait mieux. Duvalier a fait mieux que Jean-Bertrand Aristide, Duvalier a fait mieux que Michel Martelly, il a fait mieux que Prival, il a fait mieux que Jovenel et tout le monde qui passait depuis après 1986 jusqu'à aujourd'hui. C'est un fait. Je dis à ce salier, je ne pas courir, je suis pas courir, je dois aussi protéger ma famille. Je regrette si ça a offensé le monde, parce qu'il y a un pile monde diaspora, un pile haïtien du Nord, au sud, de l'est à l'ouest, qui a pris les mains à 4 heures du matin, qui a pris un message, dit, sénateur, nous avons confiance dans où était sauf. Dit, non. Il, des fois, dans la vie, il faut avoir tête pour menacer. Mais menacer tête, même, pas menacer le monde. D'ailleurs, menacer tête, même, parce que aller quitter Haïti, c'est un cauchemar. Et aller quitter Haïti, moi, je ne sais pas faire 10 ans là-bas, si je vais aller, ma pourri. Parce que le stress, mon pays, que j'adore, d'ailleurs, il y a une preuve, je dis nous allons acheter en quel côté, c'est parce que je me crois que même si tu as toujours volé dans le gouvernement, même si le gouvernement t'a toujours volé, mais le minimum de vivre, je ne pense pas qu'on n'est qu'à indexer. Je ne pense pas qu'un bandit, bandit avant seulement vivre ensemble, non? Bandit en général, la bourgeoisie, et tout n'est qui contribuait. Ou mes bandits là, parce que des bandits c'est formé, t'as coup genre qui l'a dit, gros âme, c'est matérité by tête calé. Mais son green âme, matérité by tête calé. Bon, maintenant, est-ce que c'est green âme qui a acheté l'autre âme? Ça reste à désirer. Est-ce que c'est green âme qui fait tout le monde ça au fin des âmes? Ça reste à désirer. Faut que bon monde s'y espère qui peut expliquer ça. Moi, je ne peux pas l'expliquer. C'est ça, mon frère. Moi, je menace tête, mais je ne pas menacer pays, je ne pas menacer monde. Je dis à tête, mais je ne ma vanne, j'ai une cloume là, j'ai plus que 2 ans pour faire un green clou, 3 ans pour faire un green clou, parce que tout simplement, il y a un fil pour un green clou. Et ce domaine que j'ai gagné, c'est la série d'Haïti crasé, c'est là qu'il y a une déconnexion, j'ai plus que 3, 4, 5 ans pour faire un green clou. Donc, je mange quoi? Je fais quoi? On me demande de mourir comme si qui j'en mourir d'un coup, ça m'a dit là, même si j'ai un coup, je m'a dit d'entrer dans le coup, moi, pour ma vie, d'ailleurs, c'est ce que je fais là maintenant. C'est la banque, mon paquet de banque. Bon, qui ont commencé à comprendre la situation. Qui m'a dit, chaque 4 mois, 5 mois, ils m'a dit au moins, ben bon, ils ont compris l'état de ce pays. Ils ont compris. Mais même pas qui connaît l'état. La banque. Il y a Autoplaza, par exemple. Il y a des bons que je prends. Donc, ça y est. C'est de base, vendre pour vendre son et puis pour retirer quoi dans la dette. Donc c'est ça. Ça veut dire que moi-même, c'est tête. Mais ne vous inquiétez pas, et tout le monde a été capoté. Tout le business et tout ça, rien, tout a continué. Peut-être physiquement, de toute façon, ma femme a 44 ans seulement, et mes enfants ont plus grand que 14 ans, nous faisons petit en retard. Donc je vais les protéger, son père de famille moyen. Ma famille d'abord. Haïti restera et Dozini et la famille Zini restera par chaque grain de monde. Ça veut dire Edo Papa Jodia, demain ce sera mon fils, Edoaldo, Edwin Zini qui prendra ma place. Après, ça c'est petit, mais nous tout a passé. Mais même, je dois finir le job que j'ai. Je suis un père de famille. Je dois respecter mes enfants parce que je n'ai pas de défaite. Je dois les protéger et les protéger quel que soit côté où il y a. Parce que maman m'a toujours dit, papa me dit qu'on dit lui-même, va où tu veux, meurs où tu dois. Maman me dit même qu'on dit, les fleurir là où Dieu t'a planté. Ça veut dire que si c'est ma amie, bon Dieu, pour mal finir, je ne vais pas mourir mal, parce que quand je suis dans la caille, je ne vais même pas mettre quand je suis dans le cimetière, tellement je suis maman, tellement mes papa, tellement mes grand-père, je suis dans la caille. Ça veut dire qu'on dort, mais c'est pour ça. Ça veut dire, ou pas candidat encore? Bon, si ma décision pour me sortir
en don pays, je ne peux plus être candidat. Ça veut dire, d'ailleurs, la politique, c'est pas mal qui te pourrait intéresser parce que je suis politique. C'est le goût d'essayer de faire des choses qui te fait mal dans la politique. Et surtout le maire de Jacmel. Depuis mon enfance, j'ai 10 ans, sous du Valais, marqué à charbon du feu dans la zone, voter deux magistrats. Papa me fout mon bâton pour ça parce que du Valais pas te permettre ça. Parce que là, j'ai deux zénies avant, du Valais, qu'on qu'est-ce que deux zénies en son team ou le cap joué. Ton zénie me mettait. Papa me dit que t'es qu'à tuer, que t'es qu'à faire n'importe quoi. Donc, je voulais être maire de ma ville. Moi, je fais magistrat Jacmel, là, je l'ai bien fait. Moi, je ne regrette rien. Le sénateur, je regrette un petit peu parce que normalement, j'ai donné mes 6 ans de mandat, et je dois le dire, et il faut garder tête en glace, à un ami que je pensais que j'aurais été qu'à changer. Donc, c'est ça. Mais ton candidat, mon frère, ça dévient. On a fait au bal candidat là. Mais même pas fait d'où, Gary, que je suis en réserve de la République. Pas qu'être mon homme de pays. Hein? Si on veut travailler sans quoi, je serai là avec eux. Ou bien Milo le Congo, ou bien Franck Etienne, ou bien Yves Nerfoste qui là, ou bien Jacques Perez, ou bien ou même, ou bien Michel Souka. Comment être mon homme de pays à qui travaille, mais sans quoi. Depuis que trois mandats de pays, il y a des problèmes. C'est pour tout pour commencer à travailler pour que le pays s'arrête. Qui sont ou capable d'analyser pour moi? Parce que. En pile monde m'a reçu un pile appel de monde qui content j'en parler qui vont comprendre ou bon nèg pauvre sans 5 cobs nèg rentré dans parlement yo vinn extrêmement riche yo utilisé l'état yo riche yo fait drogue yo vend ti moun yo construit gros hôtel et puis journée jodi a mais tout nèg sous sanction. Et puis il y a pas même qu'à jouer l'argent. Et puis pendant temps bas ou même ou t'as gardé yo. Et puis il a pris pause gros intellectuel yo gros pliméen yo. Et puis voilà qu'aujourd'hui c'est ou même qui gagne droit de cité dans la République là. Ou t'es pensé que ça t'a privé là Edo? Mon cher, papa m'a toujours dit il faut toujours se contenter de ce qu'on a et de ce qu'on peut avoir. Pour mon qui pas qu'on lui même y a venu. Papa m'a toujours dit moi et contenté de son gain, pas mal de. Et ça fait aujourd'hui, à la, au patron de Yedouzini, dans quel côté. Et m'étais capable de connaître, là où qu'on est, j'ai mis à Michel Matéli, où qu'on est, là, Michel Matéli, t'es pour qu'on même mis, là, Michel là, Yedouzini, tout là. Donc, c'est pas l'Elvine Michel Matéli, là, pour Yedouzini, pas là. M'étais abstenu à plusieurs, bah, m'a demandé rien, m'a fait rien, je rentre chez moi le soir, et donc, m'étais prendre toute précaution, moi. Aujourd'hui, à l'âme de vie, parce que j'aime Edouzine. Il y a plus de valeur pour gagner, mon frère, et c'est tout pour aimer. Tout le monde va aimer tout. Tout le monde va aimer tout. On n'est pas toujours le même 250 000 dollars. Mais 300 000 dollars. Mais 1 million de dollars. On va regarder, on va dire, si nous faisons 1 million de dollars. Et c'est pas la politique qui a fait. Il m'a fait 10 ans, 20 ans, capable de me faire. On va courir prendre. Moi, Edouzine. Moi, mes familles, moi, mes papas, mes grands-parents. Ça me d'abdoula précisément. Nèg yo, yo nan drogue, yo nan contrebande, yo sanctionné, yo pas existé comme moun, yo di Aido. Bon, mais ça, c'est leur problème à eux. Et c'est ça, m'doula. M'doula, même de prendre responsabilité pour Aido Zénian. Même leur intel, chers, son sa non, pas qu'être moun, yo di, a qui écrit, dit, et pas vrai, grâce à Dieu, en vraiment, mon mou, il m'a l'être, pour lui excusez-lui. Mon cher, mais même, on pas couru, non, dit, nèg, non, drogue ou pas, non, drogue. Ce que j'ai constaté, nèg, non, entre pauvres, non, débat, nèg, non, fini avec des bagailles dans le meilleur. Parce que tu vois, ça, je peux le constater. Ça veut dire que même pas qu'à dit, m'a qu'à courir pour me dire, un tel, non, drogue ou pas, non, drogue. Mais, m'a dit encore, je peux faire ce constat, que on est entré dans le Sénat, ou bien, dans le ministère, comme ministre, sans rien. Et puis, dans l'espace de 2 ans, il a acheté Kamami, il a acheté Kajitim. Mais il faut que tout se donne avec ça, oui. Parce que lorsqu'on est pauvre, on va tout le monde qui est pauvre. Il n'y a pas même besoin de venir pour le faire, non? Parce que, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un bon RAV4 en Baboudon. Donc, lorsqu'on est en tête de tout le monde, c'est logique. Donc, c'est ça. Mais même, je ne rentre pas dans les détails pour ne pas trop balancer. Je préfère, comme si Mdadou ou Gary, et me parler de tête, oui, j'aime donc me parler de tête. Moi, je me connais, mais même fais attention pour non pas, on exercite politiquement au Caraïbe, parce que, ou dit, je vieux gris, moi, j'ai un problème, ou dit, on est gris, comme ça, tu comprends, je n'ai pas un problème. Au Caraïbe, pour l'autre bagaille, mais écoutez, au pape Caraïbe, parce que je me détruis Haïti.
Et voilà, nous sommes tendés position claire et nos ennemis par rapport avec ça qui a passé dans le pays. Et qui pas mettre de l'eau dans la bouche pour le dire bagay aux gens, puisque c'est classe politique nous dégain, hein? C'est classe politique qui style la journée aujourd'hui, hein? C'est même acteur yo qui contribue à mettre Haïti côté lié à la. Mais cependant, n'est-ce pas que André Michel, Vagabonza yo, Don Carton, André Michel, Nenel Cassio, Yuri La Tortue, n'est-ce pas comme si yo mange blié, jodi a l'a parlé de comment yo participer, comment yo passé et qui implication yo na craser pays, y a tout nèg a pralé ko yo, y a pralé bouda yo, dou c'est pas vrai. C'est pas de jambe pays lok, c'est pas de jambe discours provocateur yo te gen, c'est pas de jambe ça participer dans craser pays ya. Compatriote haïtien frère, seulement n'a l'tendé qui ça André Michel avance comme argument pour l'expliquer. Ou même qui dans diaspora pas ka vinn nan pays ou même yo volé kayou ou même journée jodi a exilé ou appauvri nèg yo tellement mesdames qui sal bay comme explication qui mène pays arrivé côté lié à là c'est pas jambe fantôme 609 c'est pas jambe politicien tal chita gang qui créé gang nous pral tande ensemble an nou ale. Allons tous perdre si nous continuons à diriger le pays de cette manière. Il a rendu responsable maître André Michel, Sylvain Benoît, de notre situation chaotique, les maîtres du pays loc aujourd'hui, qui sont au pouvoir. Maître André Michel, bonjour, merci de répondre à notre invitation pour ce matin. Scoop. Bonjour Gary, Pierre Bonchard, bonjour tous les amis qui a co-animé l'émission à Samaréo. Bonjour peuple haïtien, capitaine des en Haïti, dans quoi l'étranger. Michel, avant d'aborder la question de la rencontre avec le Premier ministre, je voudrais vous faire cette question dans l'analyse et la déclaration faite par l'ancien sénateur et de Zeni. Monsieur dit clairement le pays loc a détruit Haïti et il citait non, ou même avec Sylvain Benoît, comme deux nègres qui tapent vendre le pays loc. Est-ce que vous avez une réponse à donner à l'ancien sénateur du sud, du sud-est Bon, le pays loc. C'était un mouvement populaire. Le pays loc, c'était un mouvement populaire. Il y a plus passé 60% de population engagée là-dedans. Dans la période pays loc là, nous fait des mobilisations populaires à nul autre pareil, qui n'ont jamais fait dans l'histoire de ce pays. À un point tel que Liliane Pierre-Paul, de regretter mémoire, il était même dit dans la radio Kiskeya, ça l'ouè kap passé dans le pays en termes de mobilisation dans la période pays loc là, c'est en qualité de mobilisation qui n'a jamais fait dans l'histoire pays. Pays loc là, c'est une réponse à un mode de gestion catastrophique. Pays loc là, c'est une réponse à dilapidation qui fait dans 4,2 milliards de dollars fonds pétro-canadien. Mon cap utilisé l'État pour yon voler, pour yon riche. Pays loc là, c'est un mode de réponse par rapport à ça y a fait dans le pays depuis plus passé 200 ans. Côté gonti groupe moun qui kembe richesse pays en otage et côté majorité moun à vivre dans crasse, à vivre dans misère. C'est ça, pays loc. Pays loc doit toujours avoir un impact. Et sous pays, a, tout comme, et tout le monde qui fait un peu d'histoire, on est toute bataille politique, toute période de confrontation politique, qui ont laissé des conséquences. La dynamique de mai 68 en France, il y a des conséquences sur la France. Et les batailles qui ont été menées pour la libération de ce pays, bataille qui fait pour aboutir à 1804, il y a des conséquences. Toute bataille a des conséquences. Alors, l'on est dit ça, c'est un discours facile. Moi-même, monde qui crée ce pays d'Haïti, yo, pour moi, c'est monde qui sous pouvoir, qui utilise le pouvoir pour enrichir tête. C'est monde qui fait partie de minorité qui prend toute richesse pays. Ya. C'est monde qui met des âmes dans le petit monde. Qui mette Timoun yo nan gang, c'est moun qui prend la route de la facilité, moun qui choisit vendre drogue pour yo gen kob, au lieu yo aller l'école,
Ce monde, ça a crasé le pays sur le plan spirituel, qui crasé le pays sur le plan moral. Et ce monde qui volait tout comme pays, qui crasé le pays sur le plan économique et social. Et pour moi, ce monde, ça a qui crasé le pays. Discours facile, ça a eu. Pour moi, il n'y a pas aucune importance. Et je vous garantis, discours, ça a eu. C'est des mondes très légers, capotés, mais mondes qui connaissent l'histoire d'Haïti, qui connaissent l'histoire de l'humanité, qui ont un peu de culture. Et des paroles, il n'y a pas besoin de dire. Pas besoin d'entendre un monde dire que ces batailles de Saline t'ont mené, ou peut-être bouler Kaila, comme stratégie nous adopter pour nous chasser blancs français, c'est eux-mêmes qui mettent le pays en ensemble. Pas besoin d'entendre un monde dire ça. On peut attendre un simple d'esprit dire. Ou pas besoin d'entendre. Un intellectuel dit, c'est la bataille de mai 68 qui crase la France. Vous ne pouvez jamais entendre ça. Vous ne pouvez pas entendre d'esprit dire. Alors là, on y a parlé, comme on y a radio, réseaux sociaux, tout le monde qui a parlé dans tout bagaille. C'est la catastrophe, c'est la débandade. Alors je tenais à faire ce point, mais passons à l'essentiel. Et voilà, compatriotes haïtiens, frères et sœurs, je commente à ma fait. Et nous sommes en tout bagaille, et franchement, question politique en Haïti, nous pas jamais suspendre étonné nèg ka fait politique pa wo ici, pas jamais suspendre surprendre nous, OK? Et parce que politique ici, si nous quitter, nous accepter, c'est toujours vagabond ka fait politique, moun de bien, moun ki renmen pays, moun ki gen le sens du devoir patriotique, yo rete à l'écart, n'a toujours gen modèle moun za yo, n'a toujours gen modèle nèg za yo, modèle discours za yo. Moun ki pa jam pare pou assumer responsabilité yo, moun ka fè tout sa yo konnen pou yo kembe peuple nan yè. Moun tankou André Michel yo, moun tankou Nenel Kassia tout allié yo. Donc jounen jodi an li important pou nou pran responsabilité nou. Li important pou nou konn ki sa nou vle fè de peyi nou parce que kèl te CPT, kèl te Gary Conille, nan lin yo pralé a la, yo pa pralé nan lin pou changer situation peuple. OK? Yo pa travay pou peuple, yo pa vin reglan rien pou peuple. Sinon que nèg yo tap entan yo tap mete de côté tout différent que yo gagne pou yo bay yon réponse avec activité gang bandi mauvais la vie ka frappe population. Donc ça on vle nou comprendre. Et n'a mete en bout dans émission pour jodi, rendez-vous al kase dans yon jòt vidéo de formation, rete connecté ak channel lan. Merci tout moun. À très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remé pays, ou et bien, on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial vous dit tout. Mon éditorial. Émission mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, que chez Chanel par là, pour qu'à bien informé avec Yannick. Mon éditorial. Wow.